Eh bien, salutations à toutes et à tous, c'est Doc, on est de retour sur Hogwarts Legacy. Aujourd'hui, au final, j'avais envie de peut-être faire une quête principale ou des quêtes secondaires, ou un peu d'exploration. Et je pense qu'on va partir peut-être sur un peu d'exploration, si vous voulez bien, évidemment. J'ai aussi des devoirs en plus. On va faire un petit peu d'exploration. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolar. Réveillon. Rien que mieux que pour ça, j'utiliserai Réveillon pour voir ce qu'il y a à côté. Et comme vous savez, avec la fin de la quête principale qu'on a fait tantôt, on nous a informé qu'il était intéressant d'aller voir des tourbillons de magie ancienne. Et je crois que cette icône, c'est ça. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Alors, pour ça, il faut prendre ça. Oh, comme de par hasard, évidemment. Voilà. Ça, c'est fait. Donc c'est la capacité, donc ça veut dire que c'est les barres bleues que ça améliore, donc autant le faire. Hein. Ça je suppose que ça va là. Okay. C'est quand même de la nécromancie, ça je suppose. Bien voilà. On va essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres aux alentours. Ça peut toujours être intéressant. Parce qu'en plus on survole la fameuse forêt interdite. Ah, là-bas. On a les yeux de la forêt interdite, je pense. Ah, par contre, ça c'est pas ouf, ça. C'est ouais, ça c'est un problème de level design, ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Par contre, il y a des concours d'araignées. Ok.
Donc 2 sur 3. Là, il y a un truc à récupérer. Ouais, il est là. Non, on peut pas monter par là, ok. Alors, ah, on doit monter par là du coup. Hop là. Ça n'était pas si difficile. Ah, défi de magie ancienne réussi. Ah, j'avais pas vu que j'avais débloqué tout ça. Oh, trop bien, on peut débloquer ça. Oh, moi je dis pas non, ça. Exploration. Magie ancienne. Ah oui, du coup, attends, on a une barre en plus, du coup on peut en avoir 3 en plus. Du coup, on peut en avoir ça. Oh, c'est pas mal ça, en vrai. J'ai cru voir qu'on avait aussi une nouvelle écharpe. Oh, elle est jolie. Elle est jolie, mais moi je préfère la écharpe à la couleur de ma maison. Et on a aussi une nouvelle, un nouveau manteau. Soit. Et j'ai pas vu, mais on avait aussi un chapeau. Un nouveau chapeau. Pas terrible. Et aussi un nouveau manche de baguette. Là, je préfère comme celui-là. Hein. Je veux pas dire, mais je préfère quand même celui-là. Ah, des centaures. Réveillon. Ah, mais il y a encore de braconnier juste ici. Ah, mais j'ai déjà fait. Du coup, il doit plus y avoir d'ennemis. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Du coup, faudrait que j'aille faire un camp de braconnier. Il faudrait que je tue des mages noirs. Là-bas. Là-bas, il y en a. Et voilà, j'ai la nouvelle tenue. Et il y a des choses à récupérer ici. Et il y a ici un coffre. Même deux coffres. Voilà. Ça fait. Du coup, j'ai complété un nouveau défi, je crois. Défi combat. Équipement, et elle ressemble à quoi cette tenue? Elle est là. Oh, elle est sympathique. Sympathique, ma foi. J'aime bien. Et on a une nouvelle écharpe. Après, bien folichon, bien folichon. Ça, faudra qu'on soit à niveau 20. Rien de plus, rien de plus, ok. Alors ça fait toujours des galions hein, ça. Alors, qu'est-ce donc que cette plateforme bizarre? Rébellion. Qui est mise en bleu. Action.
vois une épreuve de mer là, juste ici. Avant d'ici, de ce pas. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? C'est comme nous, ça veut dire qu'il faut marcher là-dessus. Marcher là-dessus. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Foutu, il faut en faire 10 pour le défi. Mon dieu. On va peut-être aller découvrir ce qui se cache ici. On dirait que c'est... Réveillon. Ah, au coffre. Des galions. Évidemment. Ah, une flamme de cheminette. Et un coffre pas loin. Quel plaisir de vous revoir. La coffre de collection, c'est sûrement. Ah, mais on peut pas. Je ne peux pas encore l'ouvrir. Ok, du coup ici, ce serait intéressant de repasser plus tard, alors. J'ai l'air d'avoir une bourse à l'étage ici. Quand même une grande maison, hein. Je me demande s'il n'y a pas encore un truc au-dessus. Non. Ouais, on peut sortir par là. Réveillon. Intéressant. Je vais attendre parce que tu... Je me demande si les... Ah, trop bien. Oh, mais c'est exceptionnel ça. Oh, c'est trop bien. Mais c'est terrible. Quel monde! Bon, maintenant, du coup, j'ai un peu moins peur des araignées, mais bon. Confine-toi. Mais bon, quand même, faut pas exagérer, quoi. Le jeu ne m'aime pas à mettre des araignées partout. Je souffre. Aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo en mode détente. Ah non, c'était un oiseau. Hein? Ici, il y a l'air d'avoir beaucoup de loot. Pas forcément du bon loot, évidemment. Oh, une statue de Nifleur. Ouh. Dire qu'on pourra le mettre à la salle sur demande. Intéressant.
Bonjour. Auriez-vous un moment ? Oui, mais pas longtemps, malheureusement. La boutique me prend tout mon temps. Je suis la nouvelle propriétaire, Indira Wolf. Qu'avez-vous à vendre ? Alors... De quoi avez-vous besoin ? On va quand même la vendre. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci. Voilà. Merci de votre visite. Est-ce qu'on n'aurait pas de Hibou Express ? Non. Ah ouais. Malheureusement. Ah mais ça c'était l'endroit où on était. Ah, par contre ça je suis sûr, il faut faire quelque chose avec cette balle. Il va y avoir un défi pour les faire éclater ou quoi. Ouh. J'ai quand même du mal avec un balai. Hein. Ah, un défi débloqué. Exploration. Ok. Ok, ok. Intéressant ça. Vraiment intéressant par contre ça. Peut-être sur demande, j'ai pas encore de défi. Ouais, ça je suppose qu'il y aura des moyens d'y accéder plus tard. On se balade. Il y a l'air d'avoir un truc intéressant. Ah, j'ai pas le saut. Il y a des gros méchants. C'est quoi ça en fait? Ah, il faut péter 20 vases. Ok. Ok, ok. Ah, attendez, on va le faire. Je ne sais pas, pas du tout ce que c'est. Je suis à 15 sur 20. Il y en a encore par là-bas. Là. Je peux pas. Là, il y en a un. Et il en reste un qui est là-bas. Oui, il est là-bas. Je veux de savoir de ce que c'est. La trigon. Quelle est donc cette sorcellerie? Ah, c'est une arène de combat. Oh, vous savez quoi, on va essayer. Si on perd, c'est pas grave, on aura essayé au moins. Ah ok, c'est différent. Il y a un inferno. Oh,
sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon. Ne bouge plus. Ah oui, d'accord. Je m'exécute. Ah oui, c'est... Oh, c'est dur. Mais je suis mort, en fait. Ah, ah on flip. Pas compris. On y retournera plus tard. On sait que ça existe, on y retourne. Ah, j'ai une quête qui sera ajoutée. Non? Peut-être haut? Non. Bon bah, je sais pas. Confine-toi. Réveillon. Allez, continuons à nous balader un petit peu. Ah, des ballons ont pété. Oui, un peu. Ça, c'est un défi, j'ai bien compris. Ça fait partie de la défi. Ah, ballon. Par contre, ça, je trouve que c'est mieux fait quand on a emballé ça, le Revelio. Parce que du coup, on peut quand même bouger. Alors que quand on est à pied, on peut plus bouger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Ah, ça permet de débloquer un nouveau balai. Ah, mais... En fait, du coup, t'es obligé de passer par la case acheter un balai pour ensuite débloquer d'autres balais. Alors, c'est quand même un peu étrange. Je vois pas le pourquoi du comment, en fait, faire ça. J'évite de passer à Arendelle. Je n'aime pas tellement l'ambiance là-bas. Qui est là? Ça va être amusant. Je ne fais que passer. Ça ne va pas vous plaire. Allez, on va. Et hop là. Un braconnier de moins dans le monde des sorciers. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas sauver les animaux. Mais y'a quoi comme animaux là-dedans? Animal là-dedans, y'a rien. Y'a rien d'autre en fait ici. Il y a quelque chose. De quoi faire des potions. Rébellion. J'ai bien envie de me voir ce que c'est ça. C'est violent.
pas fonctionner les vaisseaux là. Bah j'ai plus de potions moi. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été inclus. On s'en fout comme un lâche. Niveau des quêtes. Il faut que j'aille du 6-1, du coup il faut que j'aille en acheter. Donc il faut que j'aille. Ouh. Après au lard. Barrière magique qui nous empêche de voler à Préolard. Intéressant. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Bonjour, je suis à vous dans un instant. Alors, si ça, moi. Si ça. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Vous avez vraiment le sens des affaires. Et vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On m'accusera jamais d'avoir des rayons. Je vérifie si je peux pas acheter une nouvelle plante. Ouais, si. Polygonum. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Et on va aller de ce pas. Acheter un créateur de potions. Enfin, de teinte de rempotage plutôt. Pour pouvoir planter toutes les plantes dont j'ai besoin. Ça n'a rien de naturel, et ce n'est pas normal. Vous pensez être en sécurité, mais vous êtes sûr que vous vous trompez. Étrange ce monsieur. Ah, il parle des centaures, ok. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Oui, une table de rempotage munie de 5 petits pots, s'il vous plaît. Merci. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Et maintenant, on va aller à Poudlard, ici et ici. Oui, je sais. Alors.
Alors. Hop là. On va l'enlever. On prend le menu pour faire summon des choses. Alors, 5 petits pots en mode botanique. Évidemment, le plus à droite possible. Voilà. On me demande juste si on peut en mettre deux à côté, l'un à côté de l'autre et si on peut marcher entre. Non, on peut pas. Non, ça, je vais faire. Ok. Du coup, dedans, on peut mettre Mandragore. Mourous. Dictam. Mettre un Dictam et Polygonum, voilà, comme ça on a de quoi faire. Ça on peut la faire partir, ça on peut la décaler, ça j'ai pas pris le contrôle, ça aussi on peut décaler. Pourquoi est-ce que, ah ça doit être à cause du, c'est un des deux portraits qui fait chier. Enfin, une des deux décorations murales. Voilà. Ensuite, du coup, on va mettre que des grands pots. Hein. Évidemment. Ça. Voilà. Et normalement, je crois que j'ai assez pour replacer une dernière table comme ça. C'est la place est bien au milieu. Voilà. C'est perfecto. Je suppose que je peux plus, si je peux en faire qu'une. Ah, ça je peux faire quelques potions maxima. On va les faire. Toujours important de se préparer. Regardez-moi ça, toute cette fumée dégagée juste par ça quoi. Ah, c'est tellement bien. Y a ça aussi que je dois récupérer. Voilà, remplir de lune. Je sais pas vous, mais moi je trouve vraiment que ce jeu est vraiment beau quoi. Voilà. Bon, par contre, j'ai plus qu'une potion de soin, donc c'est un peu compliqué. Alors, quête. Trois plantes et utilisées simultanément. Ben, j'ai les trois, je crois. Oui. Ah! Mais non, c'est bon. Ok. On va aller retourner voir notre merveilleux professeur de botanique. Mijoter.
Ah, intéressant, c'est verrouillé. Peut-être un hybride ? J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux ! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ranger quelques pots. Alors, Flipendo. Flipendo, si vous voulez continuer de vous entraîner, vous pouvez le faire dans la serre. Faites juste attention aux plantes, s'il vous plaît. C'est bizarre que cette pièce soit verrouillée. Ah, un poids de talent, je suis officiellement niveau 20. Comme excuse, si je peux briser les charmes du bouclier violet en sans les. En route pour de nouvelles aventures. Intéressant. Par contre, j'ai vu que sur la carte. Quoi ça? Ah c'est... Ah mais oui c'est... C'est la bibliothèque ça. Par contre ça va... C'est... J'ai bien lu... Revelio. Bon, parce que là, il y a un truc à allumer. J'ai vraiment compris. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'était une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Ami t'a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle écrirait à mes parents. Ah tu bah, pourrais sympa. Peut-être les récupérer pour moi. Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Intéressant. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Alors, allons-y. Dans la bibliothèque. Premier. Je l'ai. Plus que 4. Ce doit être le journal de Cressida. Ah oui, d'accord. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. Là-bas, j'ai cru voir quelque chose. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Ah. Page du petit sorcier. Évidemment. Ah.
Ah d'accord. Ah, le coffre est juste là derrière. Et je suppose que j'ai pas de sort pour éteindre du feu. Ah ben attendez. Oh. Il va falloir que je réfléchisse à savoir comment y accéder, tiens. Bonjour Cressida, j'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens qui ont... Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. J'ai encore entendu le ting. Ah bah attendez, il y a une part ici. Elle est où? Si je vois qu'il y a ça. Ah mais non, j'ai déjà ouvert, ok. Dis bien que je ne la voyais pas du coup. C'est quand même majestueux. Et d'ailleurs, je me pose une question. Vu que j'ai accès à la salle commune de Poufsouffle, est-ce que je peux aller dans les cuisines? Parce que je sais très bien que les élèves de Poufsouffle avaient tendance à y aller, quoi. On va aller voir ça tout de suite. Évidemment, tout le monde dort. On est le soir. Oh là là, excellent. Rébellion. Bah, du coup, on a accès aux cuisines. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Ça, c'est trop bien les cuisines. Donc là, les elfes de maison, ok. Intéressant. Sympathique de comment il nettoie. Aux pommes. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Rébellion. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas spécialement envie de voir le jus qui sort de ça. Allez, danse. Au beurre, ça. Oh. Et bien, c'est sur ce fabuleux F de maison qui écrase je ne sais pas quoi, qui fait des bruits bizarres aussi, qu'on va se laisser pour cette vidéo. Ah, ce bruit. Et cette tête, surtout. Mon dieu. Allez, c'est sur ça, je vous donne rendez-vous à la prochaine... C'est quoi ça? Des poules? Ok.
Bon. Non. Oui, désolé, j'étais en train de phaser sur l'elfe de maison qui fait des choses bizarres avec ses pieds, évidemment. Réveillon. Mais bon. Soit, du coup, bah, on se retrouve pour un prochain épisode. En espérant que cette série vous plaît. Cet épisode est un peu moins constructif que d'habitude, mais le prochain épisode, on va s'attaquer quand même à la quête principale. Et si jamais, je ferai aussi des quêtes secondaires annexes en même temps. Je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça serait exceptionnel, ça permettrait d'aider vraiment la chaîne de liker aussi et de la partager, ça serait vraiment top. Du top. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et ciao.